Tiens, je vais encore râler un peu. Soit on se ciel mon mardi. De quoi ma femme est grosse. Putain, le fils de pute d'État corrompu. Les costards cravates, les machins, les diplomates de mes couilles. Je vais leur péter la gueule. Hein. Pourquoi ils passent devant tout le monde devant l'avion? Même à la Coluche, ils m'ont fait le coup du camion. Alors, de la merde. Alors, c'est quoi le plan? Oh ben ils passent avant tout le monde parce qu'ils ont un passeport diplomatique. Mais va te faire enculer, espèce de connard, tu fais la queue comme tout le monde. Ah ouais, un riche c'est mieux, mais un riche tu lui pètes la gueule. Je sais pas, faut pas être con non plus. Oh. Car je suis revenu pour dire la vérité. Boum, boum. Tu fais une crise de niche. Ouais. Franc-maçonnique sa mère. Là. Oh bah non, crois pas au mon Dieu, on veut du pognon. Ah ouais? Tu m'as dit ça, j'ai chialé 4 heures, mais va te faire enculer, espèce de connard. Ton église, je vais la cramer. Ouais, comme ça, mon cul. T'es vraiment qu'une grosse merde. Le chef des francs-maçons de Nice, de l'ordre de mes couilles, ça vaut pas 2 balles. Bon, rien. C'est de la merde. Pour l'humanité, franchement, à chier, à pisser, tu lui chies dans la gueule, tu lui pisses dans la gueule, et j'espère que tu auras une grosse chiasse comme ça, et tu l'auras repeint. Pourquoi je dis ça? Parce que ça m'a vraiment gonflé. Je ne sais pas quand ce message-là sera transmis. Tu vois. Les francs-maçons d'en bas, ils sont gentils, ils sont tout petits. Ils font des tutelles, ils font des trucs, ils font des machins. Comme le père à Nico. Tranquille. Et écoute, je sais pas comment il s'appelle, Pierre Gilbert ou je sais pas quoi. À partir du 33e degré, sûrement des fils de pute. Tu vois, ils mangent le cerveau des crânes tiède, mais ils les coupent, ils créent le singe. Ça. Et en fait, c'est tous des pédophiles de merde, ils ont signé le pacte avec Satan. Ça, je sais pas. Si tu veux, Satan, c'est pour nous plus, c'est le moins. Bon. Ou tu essaies d'être un bon garçon ou une bonne femme, ou tu vends ton âme et tu es une ordure. Et bon, tu peux ne pas être une ordure. Mais quand même, ton âme n'est pas à moi. Tu vois, ça se vend pas. Tu vas toucher à quoi? 300 euros, 500 euros pour te faire enculer, grosse pute. Non, non, non. C'est vrai que les temps et la situation étant difficiles. Tu vas vendre ta bite, tu vas vendre quoi? Qu'est-ce que tu veux vendre? Tu vas te faire enculer, hein. L'argent, c'est le mal sur terre. Vous comprenez pas? On n'a pas cassé le machin. C'est un monde d'ordures. Et vous êtes collabos de système de fils de pute de merde d'État corrompu. Voilà. Tu comprends pas ça? Eh ben, va te faire enculer. Voilà.